Des thèmes choisis par le public, une urne, et c'est parti pour une soirée colorée consacrée à l'improvisation. Tu vas découvrir les débuts d'histoire de Miss Ruby, de Mr. Yellow et de Miss White sur ton thème Bling Bling. Blanche-Neige a acheté une Porsche. Au total, une heure et demie de spectacle construit de petites histoires, de réparties et autres rebondissements. Blanche-Neige, tu nous as appelé, nous pouvons faire quelque chose pour toi. Oui, je voudrais m'acheter une super voiture et je ne peux pas parce que ma belle-mère est encore vivante. Une performance qui impressionne le public. Ils sont incroyables parce qu'ils arrivent vraiment à s'adapter à n'importe quelle situation, même quand on a l'impression qu'ils sont un peu perdus, ils arrivent au final à se retrouver et à ensemble créer un truc cool. On sent que ça va super vite dans leur tête, c'est très impressionnant, ils arrivent à faire passer en même temps un petit peu d'émotion et beaucoup de... C'est très drôle quoi. Et au réveil, il était devenu Super Canard. Créé il y a 12 ans, le spectacle Colors est devenu une référence du théâtre d'improvisation avec une idée simple. Le concept de Colors, c'est que nous allons chaque semaine, chaque dimanche soir, recevoir un invité. Si vous voulez vraiment la voir, votez pour moi. Et la particularité, c'est que cet invité n'a jamais fait d'impro, que ce n'est ni son travail, ni sa spécialité, ni son précaré. Et ce soir-là, justement, c'est la chanteuse Amandine Bourgeois qui a joué le jeu. C'est comme toutes les premières fois, hein, j'ai envie de vous dire. C'est... J'essaye, hein, je me dis, bon, allez, vas-y, lâche prise. Mais après, tu penses à trop de trucs en même temps, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Pour la nouvelle année du spectacle, Blanche Gardin, Guillaume de Tonquédec ou encore Kev Adams se sont prévus en invité. Succès annoncé.